Yo tout le monde, c'est Robin et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo au calme pendant le confinement, jour 12, 13 du confinement. Oui, parce que la dernière fois que j'ai donné un nom par rapport au confinement, c'était totalement faux, je me suis trompé. Donc voilà, donc aujourd'hui on va faire une petite recette de gâteau à la cool avec du chocolat, donc ça va être bon. Et voilà, donc on se retrouve tout de suite pour la liste des ingrédients et à tout de suite. Là, on va mettre le chocolat dans le bol, tout simplement. Et dedans, on va mettre du lait. Encore. Et le troisième. Bon, maintenant pour l'huile. Je pense que c'est bon là. On le verse. Alors pour la levure, on a de la levure chimique de chez Coop parce qu'on n'a pas de levure naturelle, mais ça fera l'affaire. Donc voici les 15 grammes de levure dont on va avoir besoin. Voilà, on met juste dessus quoi. Mais il est un mammifère qui vit sa vie dans un perpétuel ralenti. Voilà, donc là on va mettre le chocolat dedans, tout simplement. Ça fait du bien à voir hein, pour les yeux. Ça c'est une autre partie de la vidéo. Enfin, c'est vraiment une partie importante en fait, c'est vraiment de voir si ça va être bon. Et j'ai même pas les mots en fait, parce que c'est vraiment très bon. Et ça m'inspire vraiment le chocolat quoi. Je suis sûr que vous aussi. Là on écoute une petite musique. Ça c'est la tradition en fait. Pour que le gâteau ait plus de goût. Voilà. Alors je viens juste de me rendre compte que j'ai fait un petit peu n'importe quoi, parce que ça en fait il fallait que ce soit que ça recouvre la surface de la pâte. Puisque je suis pas très doué pour suivre les consignes, forcément ça n'est pas allé. On va peut-être pouvoir rattraper ça quand même, hein? Ouais. Je pense que ça va là, non? Ouais. Voilà. Ça c'est beau ça, hein?
On peut voir les belles couleurs. Ouais, voilà. Ah, qu'est-ce qu'il y a juste là? J'arrive pas bien à voir, c'est quoi ça? Oh non. Donc pour le gâteau, on va utiliser ça. Donc ça, c'est un petit moule en fait qu'on peut serrer là sur le côté. On peut voir ici. Voilà. Étape très importante. On peut voir que ça, c'est un geste espagnol qui est détenu par les plus grands chefs. Voilà, donc maintenant on va mettre la pâte dessus. Superbe. Un autre geste espagnol. Voilà que Irénée a hérité. Alors, je vais juste lui donner une petite cuillère. Ah, pas une cuillère. C'est... Alors, pour ça, on va utiliser cet outil. Très très bon outil. Hein. On peut l'apprécier. Ça nous a coûté plusieurs dizaines d'euros. Voilà, encore une fois, on est sur un budget plutôt élevé. Et on est sponsor par Dollar Academy, une académie privée qui va donc donner un enseignement aux jeunes de 5 à 18 ans. Alors forcément, ça coûte un peu d'argent, mais ça vaut le coup. Hein, hein? Ouais, ça vaut le coup. Ouais, voilà. Ça, c'est superbe, ça. Alors, pour le gâteau, ici, on est à environ, allez, disons, 280 degrés Celsius. En mode, je sais pas ce que c'est parce que je connais pas bien le modèle du four. Donc, on attend un petit peu que ça préchauffe. Là, on peut sentir la chaleur. Alors, pas vous, mais moi, oui. Et voilà, on va juste attendre un peu et comme ça, on pourra mettre le gâteau. Ok, donc... gâteau dans le four, voilà. Donc le lapin est rentré dans sa tanière. Le boulanger est allé dans la boulangerie. Voilà. Donc bah, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et salut, gros bisous. Alors voici le gâteau. Voilà. Donc voilà, pour vous donner une idée de l'échelle, ça fait environ la taille de ma main. Non, beaucoup plus gros en fait. Donc là, on peut voir qu'il y a vraiment une fine texture avec des petits trous dedans. Ça s'est fait exprès. Ça, c'est la cuisine espagnole. One eternity later. Alors après un temps de cuisson respectable, je mettrai le temps de cuisson et la température sur la vidéo. Donc on peut voir, voilà, ça c'est des belles couleurs. Hein. Là, il y a le chocolat, ça va être très bon. Irénée est déjà en train de le manger. Moi, je fais le montage. Oh, là, il y a un très bon morceau de chocolat. Donc voilà, là, je vais le manger et je vais vous dire ce que j'en pense. Alors, c'est très très bon. Le chocolat a un bon goût. Pas trop sucré. C'est moelleux, mais la croûte est un petit peu dure. Donc c'est juste bien, en fait. C'est vraiment la bonne qualité de gâteau, quoi. Voilà. Donc je vous recommande de le faire, vraiment. Vraiment, vraiment. Super.